certains soirs d'été. Le général s'asseyait sur la paille. La paix dans l'immensité. Il nous racontait ses batailles. Parlait des Dardanelles quand il était colonel, de la campagne d'Orient quand il était commandant, les croisades de Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, et Thermophile Léonidas quand il n'était que deuxième classe, et Ramsès II, sa première guerre. Et les jumeaux à la bonne. Il avait fait des jumeaux à la bonne. Bah, attends un peu. Attendez, parce qu'on va manger. Il est où le texte? Oui, encore. Oh, bah, je vais pas m'étranger. Jusqu'à l'automne, sans s'ennuyer, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qui l'avait fait des jumeaux à la bonne. Et puis un jour par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il vient de lire dans le journal, nommé caporal, maréchal. C'était fatal. Je l'ai reconduit jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots, sans émotion inutile, sans pleurs et sans se dire un mot. On s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a pris son aventure. Il n'y a plus quelqu'un pour nous chiper les confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis jamais retourné au marché. Mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit... Et ça nous fait un peu mal. Oh, chut. Général.